RTL, on refait le tour. Christophe Paco. Tout premier tour, comme tous les soirs, le petit coup de fil qui va bien. On prend la direction évidemment du bus et peut-être même de l'hôtel de nos amis de Sojasun. On va retrouver Maxime Médérel. Salut Maxime. Bonsoir tout le monde. Je regarde ton classement aujourd'hui, 42e de l'étape. T'as été pris dans la chute ou ça s'est bien passé pour toi? Non, j'ai pu éviter de justesse. J'ai vu Nasser Bouhanni tomber et bien ensuite Maxime Boué qui a voulu l'éviter. C'est un beau soleil donc... J'ai pu passer entre les deux, je ne sais pas comment encore, je me posais la question. Ah, c'est dangereux, hein, c'est pas l'étape. T'es obligé de rouler de toute façon. En plus, ce qui était bien aujourd'hui, c'est que tu avais un de tes copains qui était devant, avec Anthony Delaplace dans les échappées du jour. Hein. Oui, voilà, encore une belle étape pour nous. Un échappé, un coureur dans l'échappée, et puis une 9e place de Cyril Lemoine au sprint. Donc, on est encore satisfait de notre journée. Quoi. Tu es où là? T'es déjà à l'hôtel ou dans le bus? Non, je suis dans le bus encore. On est sorti de Marseille il n'y a pas très longtemps. Il y avait pas mal de circulation, donc... On devrait arriver d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Et tu seras en pleine forme demain, évidemment, départ 13h20 pour Aix-en-Provence. Montpellier pour la 6e étape. On attend toujours un succès français. Ce serait bien que tu le fasses dans les Pyrénées, tu vois, en montagne. C'est bien, Maxime, ça. Ouais, moi aussi, d'accord. J'aimerais bien. Hein, si je peux vous le faire, je le ferai volontiers. T'as plutôt intérêt. Je signe. Salut, merci Maxime. Merci. Bonne soirée, bon repos à toi. Bonne soirée, et à plaisir de te retrouver demain à la même heure. RTL, on refait le tour.